Dans ce premier set pour Malek Djaziri. Oui, sans complexe. Une balle à mi-court. Avec un petit peu de réussite. Ouais, bon. Il s'est engagé à 100%. Ça reste bien défendu. Et puis il y a de la sécurité, hein, que ce soit dans la largeur ou dans la longueur. Le passing est bien tiré. Oh, il est beau. Oh, il est beau. C'est magnifique, magnifique ce petit coup là de Roger Federer. Voilà. Ah, c'est bien joué. Pression sur la Federer. Il est parti loin. Oui, il est parti loin. Hein. Il est parti loin et sa volée qui flotte. Et il se retrouve. Et il a glissé en retour là. Oh là 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 là, quel mauvais jeu de la part de Roger Federer. Et Malek Djaziri qui saisit sa chance. Le break en faveur du Tunisien. Deux balles de 7, Tyson Lang, parce qu'on l'a vu demander au ramasseur de balles de faire plus vite. Hein. Ouais, superbe. Bravo. Et le premier set, bravo. Bravo Malek Djaziri qui confirme ce break et qui remporte cette première manche. 7 jeux à 5 face à Roger Federer himself en moins de 3 quarts d'heure. Une manche à rien. Oh là 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 là, et il fait ce qu'il veut là pour l'instant, hein, Malek Djaziri. Ouais, voilà, il en a mis un tout petit peu plus dans ses frappes de balle. Ah, dans le jeu de jambes aussi. Ah, cette fois-ci, c'est bien fait avec beaucoup de longueur. C'est bien fait ça. Ça, c'est, ça, c'est un vrai cadeau pour Roger Federer. Bien non. C'est sa première double faute. Il me semblait que j'avais entendu l'être, non ? Décalage coup droit qui fait mal et le double break. Ouais, ça sort et je fais Federer 5-0. Le double break est confirmé pour Roger Federer. Ouais, c'est dehors.
Ah, il explose quoi. Donc peut-être qu'il a mal, hein, tout simplement, hein, Jaziré. Hein, c'est, ouais, peut-être. Hein. De vitesse Federer là. Ah, il le sauve le jeu là. Troisième balle, le match est la bonne pour Roger Federer qui s'impose sans convaincre ce soir face à Malek Jaziri en 3-7 sur la marque de 5-7, 6-0, 6-2. Un match qu'il est allé chercher et qu'il a remporté en moins de 1h15, mais vraiment, vraiment sans convaincre. Et heureusement pour Roger Federer que Malek Jaziri n'avait qu'un set d'autonomie, Lionel. Hein.